Hello. How are you? Well. Good. Bonjour les amis, une petite vidéo. J'oublie tout le temps le nom. La carte du petit déjeuner. Voilà, la carte du petit déjeuner. J'avais vraiment envie de reprendre celui-ci. Parce que je sais pas, je prends des autres, mais c'est celui-là, il me parle énormément beaucoup. Énormément beaucoup. Il me parle énormément beaucoup très fort. Et donc, je me suis dit, aujourd'hui, je vais prendre celui-ci que j'ai envie, Et que tous mes jeux de tarot, ils sont en haut et qu'il faut que j'aille les chercher. À chaque fois que je veux prendre un tarot qui est en bas, de là, je mets chaque fois deux l'un sur l'autre, deux rangées de tarot, de boîtes. Et quand je vais en prendre celle qui est en bas, je vais tomber toutes celles qui sont en haut. Alors du coup, je me suis dit, on fera ça la semaine prochaine. Alors, vous m'avez vu toute la super pas maquillée, pas habillée. Aujourd'hui, je suis toujours en pyjama. J'ai mis mon Marcel, mais je suis toujours en pyjama. Mais j'ai chaud. Or, j'ai pas mis mon peignoir. Et j'ai quand même mis un soutard. Bon. C'est le jour de la folie aujourd'hui. On va peut-être tirer fou. Il ne manquerait plus que ça. On y va. Il faut bien rire, hein, avec tout ce qui se passe dans le monde, de triste. Allez, la dernière de la semaine. Enfin, pour certains, il y en a qui travaillent encore le week-end. Le week-end, je ne le fais pas. Je dors pas plus, hein, mais non, je ne le fais pas. Les énergies de la semaine. Et tout ça à faire. Bon, j'arrête. Hop. Ah, ben voilà. On l'a déjà tiré, celle-là. Mais peut-être pas cette semaine, je sais plus. Nous avons le DDP. Que le DDP, c'est-à-dire qu'on doit faire un choix. Peut-être qu'on est dans le déni. Peut-être qu'on se décide pas parce que on ne s'avoue pas à soi-même qu'il faudra bien tourner la page. Peut-être dans le sens où, ben, où j'aurais fait mon choix, et ben, à ce moment-là, et ben, j'aurais plus le choix. Puisque le choix sera fait, je vais prendre cette chose, cette personne-là, je vais choisir ce travail-là plutôt que celui-là, et j'aurais plus le choix de changer, donc je suis restée quand même longtemps indécise, je suis restée longtemps en train de... Parce que je me regarde la carte, mais alors c'est vous qui devez plutôt la voir, parce qu'elle est super belle, je trouve. Donc on est quand même dans l'air, hein, c'est quand même... c'est quand même une carte qui doit trancher avec les épées. On doit trancher. C'est la carte des Verseaux, des Balances et des Gémeaux. Hein. C'est moi Gémeaux. Des Verseaux, des Balances et des Gémeaux. Oui. Donc, l'élément R. Et y a vraiment un choix à faire. Donc aujourd'hui, on va vraiment devoir choisir quelque chose, faire son choix, peut-être aussi voir un petit peu à l'intérieur de nous ce qu'il y a ou ce qui ne va pas, peut-être aussi voir pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à prendre ce chemin-là plutôt que celui-là, enfin, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à choisir notre chemin. C'est vraiment une décision qu'il faut prendre. Ça pourrait éventuellement, moi, avec la Lune, elle pourrait nous dire que c'est un choix qui nous est aussi... qui est certainement aussi très psychologiquement peut-être dur à faire. On se bande les yeux, on est dans le déni.
Mais bon, le choix, il faut le faire. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, il faut faire le choix. Il faut faire vraiment... c'est aujourd'hui, vous allez ressentir ces énergies qu'il faut vraiment choisir, qu'il faut vraiment trancher entre une chose et une autre, entre un chemin ou un autre, entre une personne ou une autre. Et il faut vraiment... Est-ce qu'on l'a pas eu cette semaine, cette carte? Je ne sais plus. Et il faut vraiment faire le bon choix. Donc réfléchissez, ça sera peut-être une journée de réflexion aujourd'hui qui va vous dire vraiment maintenant c'est terminé, on est là aujourd'hui et je n'ai pas encore fait mon choix. Donc aujourd'hui, peut-être que pendant vous allez décider et puis de faire vraiment que pour le week-end, ben, le choix sera fait. Donc peut-être que vous allez dire ben, je vais partir au vert un jour, samedi, dimanche. Et puis je vais voir un petit peu ce que je vais choisir, mais j'ai peut-être besoin de me retrouver un peu seule, j'ai peut-être besoin de, ou pas, hein, ou de me retrouver en famille peut-être, pour voir justement est-ce que je décide de partir, de quitter tout ça, est-ce que je décide de quitter ma famille, est-ce que je risque de perdre peut-être mes enfants, peut-être pas les perdre, mais de ne plus les voir tous les jours, de ne plus avoir cette vie de famille. Pour une personne que vous aimez, hein, voilà, tout simplement. Maintenant, je vais vous dire juste ça, rien à voir avec les cartes, ne quittez jamais une personne qui vous aime pour une personne que vous aimez. C'est à réfléchir, ça. Donc, voilà. C'est vraiment cette carte, voilà, c'est juste un choix. Un choix qui va peut-être être très dur. On commence. Qui va peut-être être très dur et qui va probablement peut-être vous faire souffrir, peut-être ou pas. Peut-être faire souffrir d'autres personnes, c'est peut-être aussi pour ça que vous êtes un peu dans le déni, vous remettez à demain, vous procrastinez. Oui, je l'ai dit, hein, ce mot-là, je l'ai dit, en tous les cas, je l'ai dit. Je ne sais plus si c'est cette semaine ou la semaine passée. Donc, voilà. Il faut vraiment que vous fassiez un choix. Peut-être que cette carte, elle ressort exprès, parce que vous deviez faire ce choix-là, peut-être, dès plus, moi, début de semaine, alors qu'on est la fin de semaine, et que vous n'avez toujours pas fait le choix, alors que vous savez pertinemment qu'il faut le faire, que vous devez absolument le faire cette fois-ci, ce jour-ci, il faut vraiment le faire. Parce que non seulement, peut-être, vous n'en pouvez plus, mais non seulement, peut-être aussi, les autres n'en peuvent plus. Donc, peut-être que quelqu'un attend que vous fassiez votre choix. Peut-être que c'est votre mari, votre femme. Peut-être que c'est votre amant, votre amante. Peut-être que c'est vos parents. Peut-être que c'est un choix d'études, un choix de travail, un choix financier, un choix de déménagement. Enfin, voilà, c'est un choix que vous devez faire et vous devez trancher. Voilà, sur ce, je vous salue bien bas. Je vous fais des gros bisous. Et je vous souhaite... très belle journée. On vous embrasse très fort. Bzzz.